Bien, salut tout le monde, c'est SunCanal et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du World Food 2 Tomb Raider Anniversary sur PlayStation 3. Aujourd'hui 12e niveau, les mines de Nathla. Donc premier niveau du dernier monde hein, de ce jeu. À savoir qu'il y a une petite particularité, c'est que ce niveau on le commence sans nos armes hein. Vous le voyez, il nous reste que les munitions et là j'ai que des munitions de fusil à pompe et de magnum, puisque j'avais utilisé toutes mes munitions de Uzi à la fin du dernier niveau, si vous vous souvenez bien. Mais bon, ce niveau on commence quand même avec toutes nos trousses de soins, sinon j'aurais pas économisé depuis le début du jeu hein, sur les trousses de soins. Dans la mesure où on perd toutes nos armes, mais on ne perd quand même pas nos objets de soins dans ce niveau. Donc c'est un niveau assez sympa. Dans le 1, il est extrêmement long. Hein, extrêmement long. Tout dépend de si vous connaissiez ou pas, hein, mais la plupart des vidéos des mines de Nathla de Tomb Raider 1 font environ 40 minutes. Hein. Bon, moi je le connais par cœur dans Tomb Raider 1 ce niveau, c'est vraiment mon niveau préféré de Tomb Raider 1. Donc moi je le faisais en 29 minutes, mais il prend quand même beaucoup de temps dans Tomb Raider 1. Et vous voyez, hein, sur la durée de la vidéo, je l'ai pas fait rapidement en plus, hein, je ne suis pas dépêché ni rien. Hein, autant je m'étais dépêché pour le temple de Camoun, autant celui-là je me suis pas dépêché du tout, hein, j'ai vraiment pris mon temps. Et il fait 23 minutes, vous voyez quand même que c'est large, hein, parce que moi sur Tomb Raider 1 je le faisais en me dépêchant en une petite demi-heure, alors que là voilà, j'ai fait 20 grosses minutes sans trop me dépêcher. Donc le but de ce niveau va être dans un premier temps de récupérer nos armes, et dans un deuxième temps d'essayer de retrouver Nathla. Je vous rappelle qu'à la fin de la dernière partie, elle nous avait pris déjà nos armes et les trois fragments du sion, hein, le fragment de Kolopek, de Tiokan et le sien hein, qu'elle avait récupéré, le fragment de Nathla. Donc pour ce faire, en fait, pour récupérer déjà dans un premier temps nos armes, il va falloir utiliser trois fusibles. Alors ces trois fusibles, on va les trouver au fur et à mesure dans le niveau. Hein. Dans le 1, en fait, on trouvait trois fusibles comme ça dans le jeu. Enfin, dans le niveau, on les posait dans une grande cabine et il y avait en fait à chaque fois qu'on posait un fusible, il y avait une cabane qui descendait et quand elle était par terre, on pouvait récupérer nos flingues parce que ils étaient dans la cabane. Là, nos flingues sont dans la maison qui est à droite là et en fait, il va falloir trouver un moyen d'ouvrir le toit de cette maison en fait pour tout simplement récupérer nos flingues qui sont à l'intérieur. Donc dans ce niveau on a 4 artefacts et une relique, hein. C'est un niveau assez important, niveau trésor celui-là. Donc le premier artefact qui s'obtient comme ça, tout simplement avec une toute petite phase de plateforme, faut le faire au bon moment. On peut le faire à plusieurs moments, mais si vous le faites trop tard, vous ne pourrez pas le récupérer malheureusement. Vous serez obligé de recommencer le niveau. Donc 3 fusibles hein, qui font effectuer, enfin, qui vont avoir une influence sur la grosse caisse là en métal qui vient de se déplacer. Alors le fusible rouge va les faire effectuer une translation en fonction du rail en fait, ça va ou alors la pousser au maximum ou alors la rétracter au maximum, la grosse caisse. Le fusible vert, donc le deuxième fusible, va lui permettre d'effectuer une rotation en fait, l'axe va tourner tout simplement. Et le fusible bleu va lui permettre d'effectuer une translation verticale, donc lui permettre de descendre ou de remonter tout simplement. Donc une petite phase de plateforme tout simplement pour arriver au deuxième fusible, hein, le fusible vert. On le récupère et on va devoir aller le placer dans la cabane de tout à l'heure. Donc là on a un petit saut à faire avec le grappin, un petit saut retourné avec le grappin à faire. Donc voilà, celui-là il peut être assez problématique parce que la paroi est pas forcément en droite, donc la rap peut se bugger dans les textures, etc. Elle peut avoir des ralentissements et tout, mais bon. Donc en fait, on va devoir déjà trouver nos flingues pour en fait tout simplement faire bouger l'espèce de foreuse hein, qu'on a vu là tout à l'heure sur laquelle on a récupéré le fusible rouge. On va devoir trouver nos flingues pour péter les vitres d'une salle de contrôle qui va nous permettre de déplacer justement cette foreuse. Donc on place le fusible vert, on va lui faire effectuer donc une rotation à cet axe. Et là je vais aussi lui faire faire une translation horizontale, puisque en fait
On va devoir sauter sur cette caisse et seulement en fait elle doit avoir une position bien précise cette caisse, c'est qu'elle doit justement avoir effectué une rotation, elle doit être au bout de la perche et avoir effectué une rotation tout simplement. Donc on grimpe sur ces caisses, on récupère une grosse trousse. Et en fait, donc ce saut peut être assez piégeux, hein, mais en fait on a juste à se placer sous le deuxième tuyau et on fait un saut en arrière, on arrive sur cette petite plateforme. Et là on arrive dans un grand couloir taillé dans la roche. Donc au bout en fait on peut voir la phase qui va nous attendre et on peut voir en fait que la phase est juste au-dessus de la position du fusible vert tout simplement et en face de la foreuse. Donc en fait on va descendre toutes ces échelles, quand même c'est assez bas hein, ce qui nous attend. On descend comme cela, on tombe sur le plan incliné, on a un rat que l'on ne peut pas tuer pour l'instant, et voici le fusible bleu. Donc maintenant deux solutions pour remonter, ou alors vous utilisez la mienne qui est très simple et qui prend pas de temps du tout, voilà, on saute tout simplement sur le plan incliné, on saute ici, ou alors vous faites une petite phase de plateforme plus longue avec des bennes en fait, vous sautez de benne en benne, et de comment on peut appeler ça, des rotors en fait qui vont tourner, vous sautez au bon moment, etc. Donc voilà, vous sautez en gros sur les bennes, ensuite qui sont à gauche, vous vous accrochez sur le tuyau, mais c'est beaucoup plus simple de sauter depuis le plan incliné sur le petit rebord tout simplement. Donc maintenant on a récupéré ce fusible bleu, donc normalement la phase est quand même assez longue avec tous ces trucs là et tout, mais bon, moi j'ai vu d'ailleurs, c'était quoi, allez, 2 heures avant de faire la vidéo, j'ai regardé un let's play d'un mec anglais et j'ai vu qu'il faisait comme ça, et puis je me suis dit, bah tiens, ce sera une super idée quand même, ça va m'économiser une petite minute et tout, et puis j'ai essayé en off juste avant sur une autre partie, et puis je me suis dit, ah, tiens, ça marche en plus, donc je l'ai fait, et puis ça marche, donc merci, je ne me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs, ce youtubeur sur qui j'ai regardé, mais sa technique marche super bien. Donc maintenant, en gros, on a effectué une rotation et une translation horizontale pour que la caisse se retrouve au-dessus de la cabane, et on effectue une translation verticale qui fait effondrer le plafond. Et donc maintenant on va pouvoir grimper dans la maison grâce à la caisse plutôt. C'est à partir de maintenant hein, que vous ne pouvez plus aller récupérer l'artefact qu'il y a de l'autre côté, parce que bah, tout simplement et ben, vous ne pouvez plus remonter sur la maison hein, parce que elle est toute le toit n'est plus là. On rentre à l'intérieur, on a nos doubles pistolets et voilà, on peut s'amuser, on pète des vitres, d'ailleurs les seules vitres qui pourront être pétées dans ce Tomb Raider Anniversary. Et on peut enfin buter ces rats qui peuvent nous retirer de la vie, hein, bien sûr, si on les bute pas. Et voilà, donc je m'amuse, hein, je pète un peu tout ce qu'il y a comme vitre. D'ailleurs, il me semble, ouais, c'est vraiment la seule fois du jeu où on peut péter des vitres. Que je dise pas de bêtises. Ouais, si, c'est la seule fois. Il y a dans la cinématique, à la fin du tombeau de Kolopek, que Lara, elle entre dans le bureau de Natla en pétant des vitres, mais c'est dans une cinématique. Et voilà, il n'y a que là en fait où on peut vraiment péter des objets du décor. Et bien sûr, voilà, on peut quand même briser des cordes comme ici, hein, en tirant sur des attaches, etc. Donc vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'il revient dans la salle du début du niveau. Tout simplement parce que dans la salle du début du niveau, on a une relique et un artefact. Alors allez savoir pourquoi il y a une relique et un artefact dans la même salle. Surtout que la relique, c'est pour moi la difficulté d'un artefact, elle est vraiment, vraiment pas dure. Faut juste penser à revenir à la salle précédente. Et dans le 1, c'était vraiment une intuition, parce que dans le 1, ce niveau, faut faire des allers-retours tout le temps. Et moi, dès qu'on a récupéré les flingues, ça m'a paru une évidence de retourner à la grande salle pour voir ce qu'il y avait à faire. Et quand on voit les petits réticules qui s'allument tout de suite quand on entre, ça vous met tout de suite la puce à l'oreille, vous vous dites, voilà, faut faire tomber tout, et comme ça, on a des trésors. Donc voilà, ici, on a un artefact. Vous pensiez peut-être que ça allait être la relique, hein. Surtout que cet artefact, en fait, on peut le récupérer qu'une seule fois. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc ici, j'ai fait une petite ellipse, le temps de remonter à l'étage du dessus pour faire tomber la caisse, sinon je ne pouvais pas lui tirer dessus depuis le bas de la salle. Et voici une relique.
Donc, vous avez trouvé calice du tourment. Ce calice servait à récupérer le sang des vierges sacrifiées. Une fois le sang récupéré, le calice était utilisé comme récipient et on y mélangeait des herbes et des poudres pour élaborer un fluide psychotrope utilisé par les prêtresses juges atlantes afin d'invoquer les voyages spirituels. Une définition assez longue, mais plutôt sympa. Valait mieux pas être vierge à l'époque quand même, hein. Surtout à l'époque des Atlantes. Donc, c'est pour ça que je dis que l'artefact est plus dur en fait à récupérer que la relique, puisque l'artefact vous ne pouvez le récupérer qu'une seule fois. Enfin, vous avez qu'un seul essai, puisque si vous voyez le bateau, l'embarcation, le Zodiac en fait s'est barré et il va freiner, il va buter contre le mur au niveau des corniches. Seulement le truc, hein, c'est que il va partir et puis là vous voyez il est tout au fond de la salle. Et en fait, vous avez qu'une seule chance, hein, si vous faites un saut depuis le Zodiac sur les corniches et que vous vous loupez, et ben, c'est mort, vous êtes bon pour recommencer le niveau, tout simplement, puisqu'on a un checkpoint, en fait, parce que quand on avance avec le bateau, il y a un checkpoint, et donc, et le checkpoint, en fait, le bateau sera trop loin pour sauter sur les corniches. Donc vous recommencez le niveau depuis le début, c'était ce qui m'était arrivé sur Dailymotion. Donc voilà, et la relique vraiment, voilà, il n'y a pas de grand énigme, hein, pour aller la chercher, celle-là est assez simple. Maintenant on va revenir près de la foreuse, puisque en fait on va grimper sur cette foreuse, et on va tirer sur les vitres, qu'il y a ici, pour tout simplement accéder à la petite salle de contrôle. Celle-là est beaucoup plus petite, hein, puisqu'on a une échelle, mais la trappe est fermée, donc on ne peut pas grimper. Donc on appuie sur le bouton, et le bouton, vous allez voir, va alterner, coulisser en fait la plateforme sur laquelle est placée la foreuse, et va remplacer un chariot de charbon par la foreuse. Donc là, Lara va appuyer sur le bouton, on a appuyé sur le bouton plutôt. On va continuer avec le chariot, ça se fait automatiquement, et je vais vous laisser la cinématique. Il y a aussi une phase de QTE, mais principalement une grande cinématique, donc je vous la laisse, on se retrouve juste après. Désolé, ma jolie, la route s'arrête ici. Donne-moi ça, Larson. Cette histoire ne te concerne pas. En quoi elle te concerne, toi ? Cet objet est un atlas. Vois les choses en face, tu n'as rien à faire ici. Je perds mon temps avec toi. Laisse-moi passer ou tu vas y rester. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein ? Me tuer ? Allons, Lara, c'est juste un job. Je sais à quel point tu y tiens, mais je dois t'en empêcher. On sait tous les deux que tu ne me tueras pas. Ouais, tu n'es pas comme ça. Tu ne sais rien de moi. Si on se replace dans le contexte du jeu, je vous rappelle que c'est le premier meurtre de Lara Croft, donc qui est peut-être le meurtre le plus étonnant, hein, de tout ce jeu, puisque elle tue quand même Larson, qui est un de ses premiers admirateurs, qui est quelqu'un que elle affectionne particulièrement. C'est vraiment étrange, hein, qu'elle soit obligée de le tuer, tout simplement.
C'est dommage, j'ai envie de dire. Dans le 1, en fait, on l'affrontait à la fin du monde de l'Égypte, Larson, et on pouvait ou pas le tuer, tout simplement, parce qu'il faisait office de barrage entre nous et le Sion, en fait, mais on pouvait très bien l'esquiver et aller récupérer le Sion. Alors que là, on est obligé de le tuer dans le QTE, c'est malheureux. Et c'est le premier meurtre d'une grande série de meurtres de Lara Croft, puisqu'elle va en faire des milliards dans Tomb Raider 2, puis encore dans Tomb Raider 3, puis dans le 4, puis dans le 5, puis dans le 6, Legend aussi, Underworld bien sûr, et le 9 évidemment. Donc voilà, après dans tous les jeux elle tue des gens, parce que je compte pas Tomb Raider 1 puisque c'est un reboot de celui, enfin c'est Tomb Raider 1 c'est la même histoire que celui-là, donc je compte ça comme un seul, comme une seule aventure. Donc sur Larson on récupérait le fusil à pompe, ici on récupère les magnums. Si vous tombez dans la lave vous mourrez d'un seul coup, hein. Vous avez pas de deuxième chance, faut même pas essayer de se rapprocher quelque part en nageant ou vous mourrez. D'ailleurs c'est assez bizarre qu'elle arrive à survivre, hein, en sautant aussi à une distance si proche de la lave, hein, quand même, parce que vous allez le voir là sur cette face de grappin, et ben elle est vraiment très très près de la lave, surtout que on peut, en fait les pieds de Lara peuvent toucher la lave, hein. C'est un petit bug de texture, mais les pieds de Lara peuvent toucher la lave. Donc voilà, dans Tomb Raider 1, les mines de Nathla, on avait 3 boss dans le même niveau. On avait d'ailleurs que 3 ennemis, hein, dans ce niveau, dans Tomb Raider 1. Donc ici, un artefact et une petite trousse. On avait donc que 3 ennemis. On avait donc le cowboy qui est remplacé par Larson. On avait le petit, donc qui est un skateboarder qu'on avait vu à la fin du dernier niveau. Hein, c'est celui qui nous tirait dessus au Uzi, là. Et on avait King Cold, donc on a quand même King Cold et le skateboarder qui sont repris dans ce jeu. Le skateboarder, le cowboy a été remplacé par Larson, et ils avaient chacun une arme différente, hein. Dans le 1 c'était le cowboy qui avait les magnums, le petit qui avait les Uzi et King Cold qui avait le fusil à pompe. Mais on pouvait affronter King Cold avec le fusil à pompe, puisqu'on pouvait le récupérer dans un secret avant d'affronter King Cold. Donc maintenant on va grimper par là, faire des sauts de plan incliné en plan incliné. Et vous allez voir que va y avoir encore une cinématique et un QTE. Donc on saute sur la pente inclinée et je vous laisse tout ce qui est cinématique QTE. On se retrouve juste après. J'espérais bien te revoir. Crois-moi, je vais te faire souffrir. Si tu ne veux pas finir comme Larson, laisse-moi passer. Alors, ça t'a plu de tuer? Tu verras, c'est de mieux en mieux. Ça s'explique pas. Il faut le ressentir. Toi, tu dois pas avoir toute ta tête. Fais-moi la maline, hein ? Alors pour une fois là ils ne se sont pas, enfin c'est pas Lara qui les a tués, hein, ils se sont entretués. Tout simplement King Cold a asséné un coup de couteau dans l'estomac du petit, et le petit s'est vengé et lui a calé toutes ses cartouches de Uzi dans le dos.
et ils se sont entretués. Lara est la seule rescapée de ce massacre. Donc on récupère les Uzi sur le petit, bien sûr, hein, et donc voilà. Ici, on récupère deux fois des munitions de Uzi et une grosse trousse. Là, on a une énigme, en fait, pour terminer le niveau. En gros, on a une grande pyramide devant nous, donc cette séquence n'est pas pour les épileptiques. Hein. Vous avez vu quand même, il y a l'écran s'éclaircit, etc. Très souvent, c'est vraiment, c'est même dérangeant hein, quand on a une santé tout à fait normale, hein, de jouer à ce jeu dans cette scène-là, parce que c'est vraiment, ça agresse les yeux, ça fait vraiment mal aux yeux quand on y joue assez longtemps. Donc voilà, les deux, le double meurtre hein, des deux hommes des deux derniers hommes de main de Natla. Hein. Maintenant, Natla est toute seule, hein, vu que Lara a tué Larson. Et il va en fait nous rester tout simplement à trouver Natla, à lui récupérer le sion, et tout simplement voilà, finir le jeu. Seulement, ce ne sera pas dans cette partie, ni dans la prochaine partie, ce sera dans la partie encore d'après, la partie 14. Donc ici, petite phase assez timée pour récupérer pour aller récupérer l'artefact. Puisque en fait on ne peut récupérer l'artefact qu'une seule fois, puisque le poteau par lequel on peut accéder à cet endroit disparaît après. Donc vous aurez compris le truc, en gros on a plusieurs poteaux à actionner et ensuite on se rend au milieu de cette grande salle et on actionne le levier. Et ça va ouvrir la grande porte de la pyramide, puisque maintenant toutes les connexions sont établies, les poteaux vont se rétablir, la porte va s'ouvrir devant le cadavre du petit. Et moi je vais vous dire, en espérant que vous avez aimé cette partie, si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour la suite du World Through de Tomb Raider Anniversary sur PlayStation 3, et on va voir les stats de fin de niveau. Voilà, il perdu les mines de Natla. Depuis le début du jeu, ça fait 4h49min52s qu'on joue. Dans ce niveau, j'ai fait 2 victimes, 8 provisions, 4 artefacts sur 4, 1 relique sur 1, pas de contre-la-montre. Et donc, moi, je vais vous dire, en espérant que vous avez aimé cette partie, si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour la suite du World Through de Tomb Raider Anniversary. Allez, ciao tout le monde!